Immigration reform, c'est une expression qui pas fait actualité, mais pourtant information qui s'allie, c'est que gagné une commission bipartisan qui a réfléchi sur un dit bipartisan républicain et démocrate justement et qui a réfléchi sur des réformes de immigration. Maintenant ça passe. Ça nous veut comprendre, ça n'a pas de comprendre là, c'est pour qu'a comprendre influence de Santarelli et conservateur au niveau de républicain. Ça veut dire ou capable ouais 2-3 républicains gain en volonté mais ont subi en pile pression pour yo changer position. Et nous sommes vivre dans semaine ça en bagaille qui fait rire mais qui fait la peine tout qui s'allie. Gagner le sénateur Connie Von Zoul, c'est et après Maconel en pile moun wè nan monsieur c'est Lick Tavine en fait Maconel pa ka vita metenam li gen pou la aller mais yo wè nan monsieur remplaçant de Maconel. Eh bien monsieur qui t'est déclaré après nous connaît actuellement ça k'a parler là c'est gun réforme loi sur des réformes sur causer zam c'est ça k'a fait. Maintenant monsieur qui t'a déclaré sous floor sénat que après et gun reform là c'est pour immigration reform on bagaille comme ça tout de suite après déclaration ça pile républicain mauvais pile mon après les ça passé là comment se fait-il que un républicain aussi influent a parlé bagaille comme ça en pile d'autres conservateurs fait un levé campé une manifestation. OK maintenant ça passé. On va là où t'as dit, est-ce que c'est dans un film mais sans réalité? Est-ce qu'on connaît monsieur obligé? Quand ça, monsieur dit, tellement qu'il parle en pile, monsieur dit que c'est blague, l'état bail. Il dit, office, il dit, commentaire qui t'est fait là, c'est un joke. Est-ce qu'on connaît? Il y a plein de bagages aussi sérieux de réforme au niveau immigration. Maintenant, monsieur subi tellement pression qu'on y a porte-parole, il est obligé de prendre la presse pour dire non, c'est ton blague. Il dit tellement de pression que partisan li a bali. Donc hier lundi justement yo poton démenti formel yo dit pas rien causé by partisan bill que l'a travail. OK et que il dit commentaire que il t'ai fait dans Senate floor là staff li yo dit c'est ton blague. Mais ça pas empêché en pile conservateur mauvais coucon plim levé sous dos les autant de causer ça. Mais vendouk monsieur ça connait tout li l'a subi en pile pression même pour gomme réforme là il a subi pression dans moment là et vendouk que monsieur il était toujours dans le temps passé parce qu'il gain l'âge tout a PCOS et ça n'darelé on bail partisan route pour législation des séries de bail qui ont rapport avec immigration et autres. OK et mais il se trouve que son l'autre terrain que n'gain connait là. Et dernièrement, monsieur était Texas. C'est où il a couru derrière lui. C'est comme quoi, Mladou, ou en pile conservateur et des républicains, dès que vous avez parlé, vous avez montré que vous avez volonté pour faire des compromis et pour permettre des solutions, ou son ennemi. Vous avez dit son rhino. Voilà le mot. En fait, les républicains qui avez fait un bagage bâti, vous avez dit rhino. Vous avez dit traite. En clair, il veut dire que ça, il veut dire que nous pas au pouvoir, nous pas grand rien pour nous faire. Nous pas grand rien pour nous faire et pour ta grande amélioration, c'est comme ça et causé est là. OK? Et parce que c'est lui même qui était en fait pas parler de sénateur Conien, il t'a parlé avec Alex Padilla. Alex Padilla nous connaît qui toujours bataille en pile, sénateur ça pour immigration. Il te dit first gun et puis immigration et ça le dit. Et par suite de ça, en pile backlash, monsieur, se voit. Moun yon est déjà fâché avec monsieur. Peut-être il t'a baillé et support li pour s'endarrer les législations sur cause des âmes. Et actuellement, la gen, fond de cause des âmes, il y a quitté le poil débat la 64-34. Gen n'importe 14 sénateurs républicains qui pourra le voter. Donc ça veut dire penser que réforme pour âmes. Non, mais il y a les réformes pour âmes. Ça m'a donné la bagan, je me suis même parlé de ça avec nous. Pas vraiment gagné, non?
Il y a pas vraiment des background pour tout le monde. Vous comprenez, so, c'est juste sur le dossier en pile monde concerné chaque jour on a mouri. Et là encore, et gentil messieurs et dames républicains là qui parlent quoi là, ils disent même et yo pas lever compte bagaille ça même les même l'est arrivé et passer au niveau du Sénat. Quand il n'a pas parlé nous veut dire qui c'est deuxième personnage dans parti républicain hein? Dans l'hypothèse que Maconel baye vague, parce que Maconel là longtemps, puis le monde dit Maconel de supposé baye vague. Déjà, nous connaissons M. Genti malade, tout, M. Vonne qui finance santé. Non? Et la plité longtemps de collègue Biden, là longtemps. Vous comprenez? So, mais faut nous parler de sénateur ça, et sénateur influent, deuxième personnage et, au niveau du Chambre Sénat. Monsieur, dans le passé, il était qu'on supporté des efforts sur immigration qui gagne là-dedans et border security bill et te gagne un bill qui était introduit par Simena pour te combattre crise qui gagne immigrant dans certain border là l'été et supporter tout ça dans les routes pour moun qui illégal et joindre résidentiaux mais c'est surtout le suivant clair il était surtout supporté Dakar et te gagne l'autre bagarre qui était capable passer but. Dans le contexte, ça, là, ça n'a pas essayé de s'expliquer, c'est que chaque fois que tu as gagné un grand sénateur républicain qui t'a voulu pour une position, l'aile changer la pression qui gagne dans la rue. Et ça qui gagne et dans la politique, et c'est ça pour comprendre, c'est que mon n'a pas mettre tête, s'il veut, en fait, s'il veut qu'il y ait le pouvoir, pas essayer de prendre le voter. Et c'est comme quoi, influence ça, il faut souvent faire que yo et changer de position. Et maintenant gagné le sénateur J.D. Vance qui se tient en Ohio et il dit baga c'est une catastrophe et si nous t'avais by amnesty mon mot mon mot monsieur dame ça on me répéter souvent amnesty de vous parler et pour by monde qui pas gain papier yo dou c'est amnesty vous comprenez c'est amnesty vous comprenez et yo dit que c'est pire mauvais bagaille pour nous ta fait tant coup parti. Dans mitan crise immigration que nous gagne là de manière historique si nous ta vini avec une loi sur amnistie si nous fait ça et attendez bien yo dit si nous ta fait ça n'a get crush et n'a mérité donc yo clair donc que si yo ta vini là à un projet immigration fait le passé et ça c'est pas ça base yo pas ta parler dans sens base yo OK et gagné et Marc Arthur lui-même qui c'est leader au niveau de chambre député il clair il dit nous-même nous pas dans amnistie son non starter OK nous pas sous bagaille ça du tout OK et vont clair avec vous je ne vais aller là parce que nous pas rien perdre nous dans mois de juin c'est vrai but nous pas quoi route pour que démocrate ta kembe chambre député nous pas dire impossible. Vraisemblablement, faut d'accord, nous bien dit, oui, c'est politique. Nous toujours dit ça. Politique par science exacte. Et, but, les n'abtenir compte de paramètres. Dans ça, n'y là. Alors là, faut nous d'accord que vraisemblablement, nous partis pour une majorité des républicains au niveau de la Chambre des députés. Et une majorité sauvage, nous parlons qui j'en vois lié, au niveau de la Chambre des députés. Ben, Sénat, nous vraiment beaucoup cas et bataille là les coincé au niveau du Sénat pas vraiment car mon véritable prédiction tout le monde en bataille donc nous just nous pas loin OK et donc nous ca comprendre par suite ça ce nous dit là c'est des signes clairs et nets que ça nous relé bipartisan effort sous pour ta gagner une véritable réforme mesure sur immigration qui t'a bay route pour que des monde qui illégal vienne jeune papier et qui dans le passé était supporté par des républicains du temps de Obama et côté dans mi-temps de une crise sous frontière là côté nous près de 239 000 immigrants que ont rencontré pour mois de mai à simplement c'est ça qu'il faut et tout Biden dit bon, OK nous pas veut résoudre crise là hein, bien OK banan title 42 mon a rentré. OK. Donc voilà guys, c'est son façon vous dire pour tout le monde et Marie Saint-Tinou et bien qu'embé à bord
et ça t'a dit possibilité espoir que parce que grand pile monde qui vient là et dit qu'il est à bail mon papier nous poko la donne nous poko la donne et then nous là vraiment pour un bon bout de temps en fait si t'as dit on va dans monde qu'à espérer c'est ça nous relé ça sont en éventualité executive order OK et executive order de la part de Biden très certainement nous voulons être quoi que là on en 2023 par 2024 nous fait hypothèse capable gagner des executive order pour ta légaliser quelques monde OK c'est ça que nous pensons capable faire donc voilà guys nous t'ai porté update ça pour vous c'était un plaisir.